Je pense que c'est hyper positif et bien sûr on avait une charnière qui est jeune mais qui depuis le début de la saison dès qu'ils jouent ils font des super matchs. Je crois que Romu fait 100% au pied et Bam Bam un essai, enfin Damien non. Il gère bien le jeu et tout. C'est comme tout, hein. Nous les vieux on fait des erreurs et les jeunes on dit qu'il faut qu'ils apprennent, mais ils apprennent en faisant quoi. C'est en faisant des erreurs qu'on en apprend plus qu'en réussissant tout, quoi. Donc je pense que c'est un match qui peut être vu très négativement si on voit ce point perdu. Mais ça peut nous permettre justement de gagner en gestion et en compréhension des temps forts et des temps faibles pour la fin de saison, quoi. Ouais, mais sur ce côté-là, la conquête notamment, on est quand même assez efficace depuis le début de l'année. Je crois qu'ici, de venir nous jouer ici, c'est jamais très simple pour l'adversaire et ils le savent. Mais on ne peut pas se contenter que de ça. Il faut avoir autre chose, il faut avoir des arguments à côté, des solutions de pouvoir déplacer le ballon, de le conserver. On l'a fait pendant 60 minutes, on l'a fait avec de la qualité, de la conservation et de l'efficacité. Seulement, on n'est pas un match, c'est toujours 80 minutes. Et c'est là où il y a des efforts à faire, notamment de ceux qui rongent leur frein, en plus, paradoxalement, depuis longtemps et qui ont envie, mais qui rentrent mal dans ces matchs. À nous de trouver les solutions. Mais encore une fois, voilà, on a gagné ce soir une belle équipe qui a quand même mis 35 points le week-end d'avant à Perpignan. Qui était venue avec beaucoup d'intention et à la 60e, elle avait 35 points dans la musette. Et donc, quelque part, ça veut dire aussi qu'on a fait le boulot rapidement pour, même si à la fin ça chauffe, pour se mettre à l'abri. Et aujourd'hui, au vu des résultats qui se sont passés dans ce week-end de Pro D2, on se rend compte que finalement, il y a eu des surprises. Les équipes qui ont reçu. Se sont mises en difficulté, pour certaines, elles ont perdu. Cela prouve que ce championnat, lorsqu'on s'arrête 15 jours, les organismes, pour repartir, c'est plus compliqué.